Depuis quelques messages, nous avons parlé de l'importance ou de comment être béni par le Seigneur. Est-ce que vous voulez toujours être béni par le Seigneur Il y a treize personnes qui veulent être bénies. Combien veulent être bénis Lisons dans le Deutéronome, chapitre 28. Le de Deutéronome, chapitre 28. Bien que nous ne soyons pas sous la loi de Moïse, nous sommes sous la loi du Christ, ses commandements. Le Nouveau Testament nous dit, dans Corinthiens 10 et ailleurs, que nous devons quand même lire ce qui est dans l'Ancien Testament afin de recevoir les bénédictions du Seigneur et de ne pas pécher comme d'autres l'ont fait. Bien qu'il y ait des choses qui ont changé, il y a quand même des leçons dans tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ici, si nous voyons où Dieu a mis le peuple d'Israël en face de la bénédiction, de la malédiction. Ils avaient la joie. Lisons à partir du verset premier. Si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Avant de lire plus loin, il faudrait que j'explique qu'au chapitre 18 du Deutéronome, au verset 18, Dieu, quand il a donné tous les commandements à Moïse, lui a dit quand même que plus tard, il y aurait un autre prophète qui viendrait avec sa volonté, avec ses commandements. Et que tous devaient l'écouter, ou ils seraient éloignés de la bénédiction et même de la vie. Dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 3, Pierre souligne le fait que c'est Jésus-Christ, ce prophète, qui accomplit cette parole. Jésus-Christ est venu. Selon cette parole, évidemment, il n'est pas simplement prophète, mais le Fils de Dieu. Mais ceux qui ne l'écoutent pas ne seront pas sauvés. C'était déjà prévu qu'il vienne avec de nouveaux commandements. Il ne faut pas oublier cela. Déjà, il ne faut pas l'oublier parce que... Dans l'islam, ils essaient de dire que Mohammed est celui, le prophète qui devait venir, qui est loin d'être le cas. Il n'a rien en commun avec l'enseignement de la Bible. Mais Jésus-Christ est celui-là. Et ceux qui n'écoutent pas sa parole ne seront pas sauvés. Mais lisons plus loin, donc au verset 2, voici... Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel leur donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te remercions pour la Bible, pour les prophètes qui ont été utilisés pour communiquer cette parole. Seigneur, que nous puissions vraiment marcher selon ta parole, selon toute ta volonté, que nous puissions marcher selon ton esprit. Car tu as un plan individuel pour chacun de nous. Seigneur, aide-nous tous, non pas uniquement à saisir la vie éternelle, mais à saisir tout ce que tu as promis. Aide-nous à ne pas oublier tes bienfaits, car tu désires nous bénir dans tous les domaines spirituellement et physiquement et financièrement. Tu veux nous garder, nous protéger. Tu veux œuvrer avec nous pour accomplir ta volonté sur terre. Seigneur agit profondément dans nos cœurs. Ce matin, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui attire la bénédiction de Dieu? J'ai déjà parlé de pas mal de choses dans d'autres messages. Je voudrais souligner ce matin principe. ce principe. Qu'est-ce qui attire la bénédiction? Donc, premièrement, le simple fait d'aimer Jésus Christ pleinement sincèrement. Deuxièmement, le fait d'aimer cette parole passionnément. Troisièmement, le fait d'aimer les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Quatrièmement, le fait d'aimer la prière, la louange. De jeunes et le fait d'être avec d'autres croyants dans sa maison. Cinquièmement, le fait de confesser et de prier selon ses promesses, avec une pleine foi sans douter. Sixièmement, le fait d'être toujours. Joyeux. C'est un commandement. Le simple fait d'obéir à ce commandement peut tout changer. Finalement, le simple fait de mettre Jésus-Christ son royaume, sa justice, à la première place dans nos vies. Est-ce que vous faites toutes ces choses Une seule personne. Vous voulez vraiment la bénédiction Aimez Jésus-Christ pleinement. Sincèrement. Beaucoup trop de gens viennent dans les églises, cherchent la vie éternelle, pas crainte. Évidemment, qui veut aller en enfer? C'est normal de craindre, mais il faut l'aimer. Il faut se rendre compte que Jésus-Christ a tout abandonné pour devenir un homme. Il s'est humilié, il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, par amour, pour vous et pour moi. Il mérite absolument tout des croyants. Qui sera béni Dieu a décidé que personne ne serait sauvé à moins de croire en son Fils unique. C'est souligné dans Jean chapitre 3. Et le chapitre termine en disant que la colère de Dieu demeure sur les autres, qui le rejettent, qui ne croient pas, qui ne le confessent pas, qui ne deviennent pas de vrais disciples du Christ. Oui, il faut l'aimer pleinement. Jésus a enseigné quoi Qu'il fallait l'aimer plus que sa famille, plus que sa propre vie, qu'il fallait être prêt à donner sa vie pour le bon nom de Jésus-Christ. Le Père a décidé... De confier tout à son Fils. C'est souligné dans Jean chapitre 5. Il lui a donné tout pouvoir pour donner la vie, pour ressusciter les morts. Il lui a donné tout jugement. C'est Jésus-Christ lui-même qui va juger les vivants et les morts. Son acte 10, verset 42, et Jean 5. Celui qui aime et qui honore le Fils sera aimé, aimé et béni par le Père. Vous savez, dans Corinthiens chapitre 15 au verset 27 et 28, la Bible dit qu'à la fin des temps, Dieu le Père va confier absolument tout dans l'univers à son Fils. Accepter lui-même. Il lui, lui donne tout. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père. Et ils sont unis spirituellement. Nous devons l'aimer aussi et nous devons le suivre. Mais comment voulez-vous que Dieu bénisse quelqu'un? qui ne suit pas le Fils, qui ne confesse pas le Fils. Nous devons aimer la parole. Est-ce que vous lisez la Bible chaque jour? Est-ce que vous méditez sur les promesses de Dieu dans la Bible, les prophéties? Est-ce que vous cherchez à connaître vraiment chaque commandement du Christ? Nous devons les mettre en pratique si nous voulons être sauvés avec son aide, avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a expliqué, ce sont ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui reçoivent des esprits de séduction de la part du diable. C'est enseigné partout dans le Nouveau Testament. En fait, même c'est prophétisé. Que dans les derniers temps, la majorité des gens se disant chrétiens seraient dans un état d'apostasie, que les églises seraient dans un état d'apostasie, éloignées de la vérité, apostolées. Trompées par des esprits de séduction parce qu'ils ne veulent pas, enfin parce qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Parce qu'il se laisse aveugler par le monde. Nous devons aimer cette parole. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, les psaumes commencent avec cette bénédiction. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve. Sans plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jésus-Christ a dit la même chose dans Jean 15, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est vrai que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, sous, nous sommes sous la loi du Christ, les commandements du Christ, mais il faut aussi savoir que tout n'a pas été changé. L'Ancien Testament est quand même rempli de beaucoup de choses qui ont l'approbation du Christ, des choses qui sont répétées dans le Nouveau Testament. Il est vrai que selon Colossiens 2, nous ne sommes plus obligés de garder le sabbat de la même manière que les juifs. Le samedi, nous ne, sommes pas, nous ne suivons pas les fêtes juives, etc. Ou les aliments à éviter ou à manger, mais il y a plein d'autres choses qui n'ont pas changé. Qui n'ont pas changé du tout. Tous les autres commandements, enfin, neuf des dix commandements sont répétés dans le Nouveau Testament. Nous gardons, enfin, nous nous réunissons le dimanche. Pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce que le Christ s'est manifesté ce jour-là, après sa, sa résurrection, plusieurs fois à ses disciples. Et le Saint-Esprit a été envoyé ce jour-là pour commencer l'Église. C'est bien quand même quand on peut se reposer le samedi. Je l'encourage. Nous devons aimer cette parole. David aimait la parole. Et ceux qui aiment la parole reçoivent l'Esprit. Ils sont guidés par son Esprit. Vous savez, le, le chapitre le plus long dans la Bible, c'est le Psaume 119 qui parle de la parole, de, de l'amour de David pour cette parole. Et il dit au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous avez un problème avec le péché, avec des habitudes mauvaises Lisez davantage la parole. Lisez surtout tous les passages qui visent votre problème. Je pense souvent à ce pasteur qui est passé, son nom m'échappe, mais il approchait chez nous il y a des années. Il partageait son témoignage du fait qu'il était élevé dans une famille chrétienne et. Enfin, il n'était pas converti. Il allait à l'Église, était obligé à cause de ses parents. Mais ses parents lui donnaient des récompenses chaque fois qu'il mémorisait un verset. En fait, il mémorisait même des chapitres de la Bible en grandissant. Quand c'était le temps de partir pour l'université, il s'est dit dans son cœur, j'ai jamais touché au péché, j'ai jamais essayé les choses du monde, je vais commencer à le faire, je vais essayer de voir commencer. Chaque fois, quand il commence à le faire, on verset la Bible le trouble. Et ça arrivait continuellement. Finalement, il s'est dit, enfin, il faut que je me convertisse. Il s'est converti. Je pense aussi à l'évangéliste Al-Herman. Je vous ai parlé plusieurs fois de lui. Je doute, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là quand il est passé, il le autrement Il n'y a pas beaucoup quand même, quelques personnes qui étaient là à l'époque. Al-Herman. Était caméraman à Hollywood. À l'époque de Humphrey Bogart, Lucille Ball et tout, au début, quoi. Il est aussi celui qui était dans l'avion qui a filmé quand ils ont laissé tomber la bombe sur la ville de Hiroshima. Il n'était pas converti, mais après la guerre, quand il est revenu à Hollywood, il était mal à l'aise. Il n'était pas la même personne. Et il disait qu'il était en train de fumer une cigarette dans sa chambre et le Christ est entré. Il a éteint la cigarette. Il ne l'a jamais repris. Et à partir de ces jours-là, il a prêché jusqu'à la fin de sa vie dans le monde entier. Il a été utilisé après la guerre à Berlin. Il a prêché chaque soir pour un an. Et quand il est parti, il est venu à une église avec 2000 personnes. Il approchait ailleurs, il a commencé d'autres grandes églises. Ce que les gens ne savent pas en général, c'est quelque chose qu'il m'a dit personnellement. Il avait été élevé dans une famille chrétienne, mais il ne s'est pas converti. En fait, son père était pasteur méthodiste. Lui et sa mère Parlaient souvent de l'enfer. Ils étaient stricts dans leur manière de vivre, cherchaient la sainteté, la pureté. Mais Allah ne voulait rien de tout cela. Il est parti à l'âge de 15 ans. Il n'est jamais revenu à la maison. Ses parents sont décédés sans savoir qui s'est converti plus tard. C'est parce que la parole était dans son cœur. Le Seigneur n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le simple fait d'apparaître était suffisant pour changer la vie de cet homme qui connaissait déjà la parole tout jeune. Nous devons aimer cette parole et nous devons aimer le Seigneur pour accomplir sa volonté et pour être béni. Nous devons aimer les autres. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez vos ennemis. De la croix, Jésus aimait ses ennemis. Il demandait à Dieu le Père d'être miséricordieux envers eux. Père, pardonne-leur car ils ne savent. Est qu Est ce qu'ils font. Est-ce que nous aimons De la même manière. Nous avons parlé dans d'autres messages récemment de l'importance de bénir les autres avec nos paroles. Bénissez, ne maudissez pas, Pierre a dit dans Pierre 3, quand nous sommes appelés à recevoir, à hériter la bénédiction en bénissant les autres. Si vous maudissez un ennemi, vous allez passer à côté de la bénédiction. Le fait de bénir, d'aimer, de prier pour un ennemi peut tout changer. Sa vie peut être changée. Si vous maudissez, votre vie sera changée dans le mauvais sens. Nous devons confesser en accord avec les promesses. Nous devons obéir en étant joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Paul a dit cela Parce que dans le monde, il y aura des afflictions, il y aura des persécutions, il y aura toujours des raisons pour être déprimés. Mais il faudrait que chaque jour, on oublie tout cela, on repousse tout cela et qu'on se réjouisse dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il a tout accompli pour nous, pour notre éternité. Il est parti nous préparer une place. Et un jour, il va revenir nous chercher, selon sa promesse. Sommes-nous en train de le servir? avec joie. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Faites toutes choses sans murmurer, sans hésiter. Quand nous prions, quand nous louons le Seigneur, quand nous jeûnons, ça change nos cœurs. Par la louange, tout peut changer. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais attention, il s'agit d'un cœur pur. Dieu ne va pas nous donner selon de mauvais désirs ou selon un cœur impur. Il veut déjà changer notre cœur par sa parole et par son esprit. Et alors, il va agir selon les désirs de notre cœur. Est-ce que vous donnez la première place au Seigneur Est-ce que vous cherchez premièrement sa justice et son royaume Nous sommes appelés à être ouvriers avec Dieu comme si Dieu exhorté par nous. Nous devons recevoir son esprit par la prière, par la foi, et permettre que son esprit nous guide et qu'il parle au travers de nous. Sommes-nous en train de le faire? Toutes ces choses attirent la bénédiction. Toutes ces choses attirent la vie. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Saisir la vie éternelle, c'est de confesser selon les promesses c'est d'agir selon les promesses. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons demander que Jésus soit le Seigneur, le, le maître de chaque détail de notre vie. La Bible enseigne aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons confesser nos péchés au Seigneur. Nous devons nous approcher de Dieu le Père au nom de Jésus-Christ pour être réellement convertis. Car selon Hébreu 7 au verset 25, c'est Jésus-Christ qui est capable de sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui. Jésus avait dit, nous ne viendrons au Père que par moi. Parce que Dieu n'accepte que les gens qui croient en son Fils, qui placent leur confiance dans le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Oui, la Bible dit que nous devons nous faire baptiser, nous identifiant avec le Christ qui est mort, qui était enseveli, qui est ressuscité pour nous. Nous confessons qu'il est le Fils de Dieu. Nous confessons qu'il est ressuscité pour notre salut, qu'il a été le sacrifice accepté par le Père, et cela a été manifesté par la résurrection. La vie éternelle vient de cette sorte de foi et de notre engagement d'obéir au Christ, de suivre le Christ, de recevoir son Esprit. Si vous êtes là ce matin et vous voulez saisir la vie éternelle par la foi, en Christ. Vous n'avez pas encore l'assurance de votre salut. Et vous voulez faire le nécessaire. Je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Merci. Oui, plusieurs personnes. Oui. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Pensez très fort à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis, que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché. Je désire que tu me pardonnes et que tu me délivres du pouvoir du péché. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est ton Fils unique et tu l'as envoyé mourir à ma place. Il était sans péché, mais il a souffert. À cause de mes fautes. Tu l'as ressuscité acceptant son sacrifice pour moi. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Donne-moi la force de mettre tous tes commandements en pratique. afin de recevoir l'Esprit Saint, afin de pouvoir suivre l'Écriture pleinement. Je renonce à tout et à tous. Je renonce à ma propre vie. Le Seigneur Jésus, sois le maître de chaque détail de ma vie. Je renonce au monde avec sa convoitise, avec son orgueil. Je renonce à ma chair. Je désire marcher dans la sainteté selon toute ta volonté. Change-moi entièrement. Éloigne-moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Prends le contrôle de mes pensées et de mes paroles, de mes actions et de mes réactions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière, à votre place, dans votre cœur. Confessez vos fautes. Demandez avec vos propres paroles qu'il vous aide. Il ne peut pas mentir, il pardonne. Il ne peut pas mentir, il donne la vie éternelle à ceux qui le confessent et qui désirent être de vrais disciples.